Il m'arrive souvent de me demander ce qui va se produire quand les millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier. Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité sociale n'auront plus d'argent dans leur coffre? Comment la nation survivra-t-elle si on continue de laisser aux parents le soin d'éclairer leurs enfants sur les questions d'argent, lesquels parents deviendront ou sont déjà pauvres? Étant donné que j'ai eu deux pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et de l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père et ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir et l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question. L'une ne vous oblige à rien et l'autre vous oblige à réfléchir. Celui de mes pères, qui allait bientôt devenir riche, m'expliqua que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante, je ne peux pas me permettre d'acheter cela, fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. En posant la question, comment puis-je me permettre d'acheter cela? Ton cerveau se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant du monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent. Il croyait que le fait de dire sans réfléchir, je ne peux pas me permettre d'acheter cela, était un signe de paresse intellectuelle. Même si mes deux pères travaillaient dur, je remarquais que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question de finances, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme, un de mes pères devint plus fort sur le plan financier, et l'autre plus faible. Cela ne diffère pas tellement d'une personne qui se rend régulièrement au gymnase pour s'entraîner par opposition à une personne qui reste assise sur son divan à regarder la télévision. Les exercices physiques adéquats accroissent vos chances de bonne santé, et les exercices mentaux appropriés augmentent vos chances d'être riche. Mes deux pères avaient deux manières de penser opposées, et cela se reflétait dans leur façon d'arborer la réalité. L'un d'eux croyait que les riches devaient payer plus d'impôts pour prendre soin des êtres moins fortunés. L'autre disait, les impôts punissent ceux qui produisent et récompensent ceux qui ne produisent pas. Un de mes pères me fit la recommandation suivante. Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. L'autre me donna ce conseil. Étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter. L'un de mes pères me disait, la raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. L'autre disait, la raison pourquoi je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à la table familiale. L'autre nous interdisait de parler d'argent au cours des repas. L'un disait, quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. L'autre affirmait, apprends à gérer les risques. L'un croyait, notre maison est notre investissement le plus important, notre plus grand actif. L'autre croyait, ma maison est un passif, et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté. Mes deux pères payaient leurs factures avant échéance, même si l'un des deux les réglait avant l'autre. L'un croyait qu'une entreprise ou le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins. Il était toujours préoccupé par les augmentations de salaire, les régimes de retraite, les prestations médicales, les congés de maladie, les vacances et autres avantages. Il était impressionné par deux de ses oncles qui s'étaient enrôlés dans l'armée et qui avaient mérité une retraite et une allocation de vie après 20 ans de service actif. Il aimait l'idée des prestations médicales et des privilèges que la coopération militaire fournissait à ses retraités. Il appréciait aussi le système des postes permanents qu'on retrouve dans une université. L'idée d'un poste protégé à vie et les avantages qui en découlent semblaient plus importants, bien souvent, que l'emploi lui-même. Il disait fréquemment, j'ai travaillé dur pour le gouvernement et j'ai droit à ces avantages. L'autre avait foi en une totale indépendance financière. Il s'élevait contre une certaine mentalité qui exigeait des allocations obligataires, car il était conscient à quel point cette mesure créait des gens faibles et pitoyables sur le plan financier. Il insistait sur le fait qu'il fallait être financièrement compétent.